Ok, ça tourne. Si t'as envie d'un appart, va voir si t'y a. Si t'as envie d'être enfin posé sans jamais être fliqué, va voir si t'y a. Si t'as envie d'inviter qui tu veux sans jamais de couvre-feu, va voir si t'y. Nous sommes le premier jour de tournage de la pub Citia année 2018. Cette année, on a décidé de décliner un petit peu le concept des années précédentes en réutilisant la mélodie Citia, mais en l'adaptant à un orchestre symphonique. C'est pharaonique parce qu'on est sur un plateau sur plusieurs étages avec des constructions dans tous les sens. Il y a une équipe d'écho absolument incroyable qui a fait un travail de titan. On est 9 sur l'équipe d'écho pour le projet Citia avec Left Production. C'était intense sur une semaine de temps. Nous avons 5 décors en tout sur le projet pour 5 personnages. Chaque personnage a une couleur spécifique. On est devant une fenêtre complètement artificielle pour pouvoir faire des plans de l'appartement de l'étudiant. Et juste à côté, là, on a la fenêtre de la petite fille au tuba. Et en fait, on va pouvoir passer d'une fenêtre à l'autre par l'extérieur, donnant l'impression qu'on tourne avec une grue, avec un drone. L'idée, c'était de ne plus s'adresser qu'aux jeunes, comme on avait fait dans les deux premières campagnes, et d'avoir une campagne qui s'adresse à tout le monde, de la petite fille qu'on découvre en train de souffler dans son tuba au milieu des cartons de déménagement Citia, à ses parents, en passant par l'adolescent qui est dans sa petite chambre d'appartement. Donc, toutes les générations sont dans cette campagne Citia et on s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont besoin d'un appartement ou une maison en France, en location ou en achat. L'idée, c'est d'avoir des scènes de vie de chacun ou de chacune de ces personnes. Tous les uns après les autres sont emportés par la mélodie Citia et forment progressivement un orchestre. On fait une sorte de film choral entre plein de personnages et là on est sur le plan final, sur le rooftop. Il y a plein de figurants, 30 personnes qui sont là en plus. Je suis hyper contente de retravailler sur ce projet parce que c'est un univers rigolo, à chaque fois c'est second degré. On se marre vraiment et puis là il y a une très belle équipe quand même. Ce qui est génial, c'est qu'il y a 3 ans, Citia, c'était leur première prise de parole réelle en publicité. Ça a commencé sur YouTube, c'est passé en télé. Cette année, c'est un concept encore plus ambitieux. Pour nous, c'était vraiment important de se challenger et de relever le défi. On a pris 2 nouveaux réals qui sont Pomme C et Pomme V, qui sont vraiment des mecs ultra talentueux. Beaucoup de comédiens sur plusieurs jours de tournage, des autorisations difficiles à avoir pour un tournage en drone au-dessus de Paris. Et là, justement, le drone décolle. Citia, envie d'un appart, va voir Citia. C'est génial parce qu'il y a 3 ans, on était en train d'imaginer juste la première musique de Citia, il n'y avait rien. Les premières images qu'on a vues sont canons. On est vraiment très heureux d'avoir participé à ce projet. Citia.com